toux, fièvre, encombrement. Depuis ces derniers jours, le petit Elio ne va plus à la crèche. En cause, la bronchiolite. Une pathologie virale qui concerne 16% des passages aux urgences chez les moins de 2 ans. Ce libéral, basé en périphérie de Bordeaux, enchaîne les consultations. Beaucoup de nourrissons sont hospitalisés actuellement. Et nous, en libéral, on essaye d'augmenter la présence au cabinet et puis on essaye de faire le maximum. Oui, débordé, oui, j'en refuse tous les jours parce que, c'est arrivé à un moment, c'est plus extensible. À la fin de la séance, l'attente de ce nourrisson semble soulagée et l'enfant plus apaisé. On va continuer à bien le moucher, continuer le suivi sur la kiné respi aussi pendant quelques jours. Et puis, on va éviter de le mettre à la crèche pendant une semaine, de refiler tout ça aux autres bébés. Et puis, pareil, qu'il ne soit pas encore... Déjà, il est un petit peu... il était prématuré. Il a pas un état de santé d'aplomb. Donc, on va le protéger au maximum. Tout le sud-ouest qui a été touché avec un peu la région nord. Et vous voyez, une semaine après, boum. L'ARS Nouvelle-Aquitaine propose sur son site internet une plaquette avec toutes les mesures de prévention à adopter. Le responsable de la cellule régionale rappelle que la bronchiolite est une maladie très contagieuse. Il faut savoir que cette bronchiolite, qui est une accumulation de mucus dans les petites bronchioles des bébés, ça concerne plutôt les enfants de moins de 2 ans et plus particulièrement les moins de 1 an. Ce virus, il va se transmettre de manière manoportée. Donc, si vous touchez votre bébé, les jouets aussi peuvent. Le virus peut rester longtemps à la surface des jouets, des doudous. Ça veut dire se laver fréquemment les mains, porter un masque, éviter d'éternuer vers ses enfants, etc. Et puis laver les jouets, les doudous assez régulièrement. Cette pathologie pour enfants concerne aujourd'hui l'ensemble du territoire métropolitain.